Hey, salut à toutes et à tous, c'est Magicat, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve au Disney's Hotel New York, The Art of Marvel, car aujourd'hui j'ai la chance de pouvoir y dormir grâce à mes parents qui m'ont fait cette magnifique surprise et ça va être génialissime de pouvoir profiter de cet hôtel. Ça va être génial, on va faire tout plein de vidéos, on va filmer les chambres, on va filmer les restaurants, on va filmer les bars et dans tous les cas, venez avec moi pour découvrir le Disney's Hotel New York, The Art of Marvel lors de mon séjour surprise pour mon anniversaire. Let's go, c'est parti. Ça va être vraiment génial parce qu'on a plein de trucs de prévu. On a le downtown restaurant qui est le buffet à volonté de l'hôtel. Là où on va aller juste après, ça va être tranquille pépouze. On aura aussi les Art Guardians à faire, donc ce sera très certainement demain ou après-demain. Je pense pas filmer les journées sur le parc, ou en tout cas ce sera sûrement un vlog différent, mais il y aura tout simplement tout ce que je fais à l'hôtel, en tout cas je le filmerai, que ce soit la piscine, tout ça. Ça va être vraiment cool, je veux vraiment profiter un maximum de cet hôtel, parce que c'est une chance, hein, clairement, je le sais, c'est un hôtel qui est pas donné du tout, mais merci en tout cas vraiment aux parents qui sont là, qui sont aussi derrière, mais on fait style, de m'offrir cette chance, et ça va être trop cool. Demain matin on voit Spider-Man à 8h15 du matin, ça va être génial, vraiment. Restez rien que pour ce mythe parce qu'il va être génial. Et de toute manière vous découvrirez l'hôtel avec moi, ça va être génial. De toute manière pour ceux qui s'en souviennent, on l'avait découvert ensemble il y a déjà quelques années pour son ouverture. Donc ça va être génial, let's go, c'est parti. Vous avez la vue sur la tour Avengers et vue sur New York avec Chris Lardy.
Du coup, on vous propose des cocktails autour du Dry Martini, qui est un cocktail complètement américain, où on en a fait des dérivés, comme Mystic Yellow, en fait, c'est autour de la tarte au citron. Et vous allez voir, en fait, on s'est amusé à créer des choses assez sympas. On a des cocktails sans alcool aussi autour de Marvel. Donc là, vous allez découvrir l'univers Marvel à travers nos cocktails sans alcool. Et après, on a des produits new-yorkais, on vous propose la bière Brooklyn, des choses comme ça, donc vous allez vous installer. Ouais. Merci beaucoup. Alors là, on est à l'intérieur du, je vais vous montrer la carte, du Skyline Bar. Et on va un petit peu tester la carte. Je vous prendrai, enfin je vous filmerai tout ce qu'on aura à table. Ça va être très sympathique. Vous avez les desserts là-bas, donc déjà on a les desserts Marvel, mais en plus on a les desserts des 30 ans, donc ça c'est plutôt cool. Là ici on a tout ce qui est plat chaud, et après plus par là du coup, on a tout ce qui est entrée, donc c'est vachement sympa. Donc maintenant, bien évidemment, on va aller attaquer tout ça et on se retrouve à table et que je vous montrerai toutes les assiettes que j'ai fait, toutes les dégustations, tout ça. Mais je pense que ça va être vraiment sympa, ça va être cool. Mais du coup, là, on n'est pas dans le downtown, on est à l'Empire State Lounge. Du coup, c'est quand le downtown il est un peu trop rempli et ils ouvrent toute cette section-là qui est tout derrière, qui est quand même sympa, avec un peu moins la déco du downtown. En tout cas, vous pouvez voir l'attaque, petite carte, ça c'est celle du 30 ans. Et là, on a toute la carte. Donc ouais, l'histoire du downtown, tout ça, c'est plutôt cool. Je vais vous filmer un petit peu des plans du resto, tout ça. Donc c'est parti, let's go. Du coup, on part vraiment soft, en tout cas sur l'entrée. Vous pouvez voir, tac. Je vais tester le pain à l'ail pour voir s'il est aussi bon que sur le parc. Et je vous dis ça juste après. Et après, on reviewera de toute manière toutes les assiettes pour vous donner mon avis. Alors là on est sur la deuxième assiette, alors là on est plus sur du chaud, avec un peu plus de l'américain quand même, bien que il y a le petit côté asiatique avec les nems qui sont juste ici. Et après c'est, ah quoique non je dis américain, mais il y a aussi le côté italien avec la pizza qui est juste ici. Et du coup bah encore une fois je vous dirai si c'était bon, en tout cas l'assiette d'avant d'entrée était super bonne, surtout le petit sandwich au saumon qui était vachement sympa. Enfin j'ai beaucoup aimé les tomates mozzarella aussi, mais ça c'est mon petit péché mignon personnel. Alors là on est sur la troisième assiette, donc je sais pas trop... Parce que c'est... Alors là, je crois que c'est des vermicelles. Là ici on a un petit peu de maïs. Et juste ici on a un burger. Le burger d'ailleurs que j'ai déjà pris dans l'assiette précédente, qui est incroyable. Mais je vous fais la review du reste juste après. Alors là on passe au dessert. C'est mi-30 ans, mi-Marvel. Donc regardez, tac. Avec le côté Marvel, avec le bouclier de Captain America et le marteau de Thor. Et après c'est que du 30e anniversaire. Avec le petit truc mini, là trop mignon. Tous les macarons. La petite... je crois que c'est un petit truc au chocolat. Et là, il y a un espèce de truc mousse. Enfin bref, je vais goûter tout ça. Et je vous tiens au courant juste après. Alors là, on vient de sortir du downtown. Alors c'était... intense. Ce serait le mot pour tout qualifier. Non, vraiment très très bon. Très très bon. J'ai beaucoup aimé. Vraiment beaucoup aimé. Tout de même assez surpris sur la plupart des choses. Les desserts, j'ai tout aimé. Vraiment tout aimé, sauf l'espèce de truc italien... en forme, on aurait dit des doigts, c'était bizarre. J'ai pas trop aimé. Autre chose où j'ai pas trop aimé, c'est les vermicelles.
Enfin, mais celle j'ai pas trop aimé, enfin je sais pas c'était quoi, c'est ce genre de pâtes, j'ai pas trop aimé. Mais après sinon le reste vraiment, enfin après je suis pas quelqu'un d'hyper difficile en termes de bouffe. Et là vraiment que j'ai pas aimé, c'est que je sais pas, vraiment j'ai pas aimé. Mais après le reste, tout était super bon, les desserts incroyables, les macarons étaient super délicieux et tout le tralala. Bah, après ça, c'est plus spécialité 30 ans, mais même les trucs Marvel. Le truc Thor par contre c'était très fort en chocolat comme dirait Nesquik. Nesquik au Chocopic, bref je sais plus, placement de produit, virement pour les deux. Mais voilà, en tout cas, là maintenant tout de suite on va aller se placer pour Disney Illumination. Et je pense pas que je vais filmer Disney Illumination, peut-être surprise, vous aurez Disney Illumination. Mais après je vous refilmerai quand on arrive à l'hôtel. Sûrement très fatigué. Déjà que le downtown nous a un peu mis un coup au foie. Mais vous inquiétez pas. Ça va être trop cool. Et demain matin on aura le petit déj aussi au downtown, si je dis pas de bêtises. Et ça va être super cool. Donc rendez-vous à tout de suite. Je suis fatigué, désolé. Alors là on est avec la petite voix du matin, on est au downtown avec tout ce qui est petit déjeuner qui est juste derrière. Ça va être trop bien. J'ai fait un petit tour pour vous filmer les œuvres et tout. Après bon, je vais pas filmer les lois parce que bon, c'est vraiment du petit déj un peu classique à la Disney, mais qui est quand même très bon. Je tiens quand même juste à préciser, regardez les dessous de table, ils sont trop beaux. Et Spider-Man. Tac. Donc là c'est parti, on va aller faire une petite assiette. Mais waouh, c'est la première fois je crois que vous avez la voix du matin en vlog. Alors on se retrouve après le downtown, c'était vraiment trop cool de faire le petit déjeuner. Bon, évidemment c'est un petit déjeuner donc je vous avoue j'ai pas trop pris en vidéo. Donc bien évidemment il y avait des œufs brouillés, du bacon, des haricots rouges, il y avait quoi d'autre? Il y avait des pancakes avec du sirop d'érable, ça c'était vraiment une tuerie. Et il y avait des pains au chocolat qui étaient vachement bons aussi, mais bref, dans tous les cas c'était bon. Là, nous, on va partir sur le parc fin de notre journée. Mais juste avant, on va aller voir Spider-Man. Et donc là, on va y aller. Et c'est parti, go to la Super Hero Station. Comment va? Ça va et vous, ça va? Ça va super! Oui! Tu es magnifique! Ah oh, merci! Tu as le costume? Oh, il est magnifique! Regarde, moi aussi j'ai Marvel! Oh, regarde! Ah, c'est cool! Donc tu connais tous les Avengers? Ah, je connais tout! Ah oui, c'est qui ton préféré? Attends, à votre avis! Allez! Bien joué! Très bien joué! Okay. Voilà! Tu fais des commentaires comme ça comme moi? Ah oui! Ah, mais regarde, c'est parfait! Tu as des super pouvoirs aussi? Je fais des vidéos! C'est déjà un super pouvoir. Ah, okay. Oui, bien sûr. Moi, j'aime beaucoup aussi de faire des vidéos aussi. Ah, j'ai vu oui. Tous les selfies, tout ça. Voilà. On fait une petite photo? Ah oui, bien sûr. C'est... Ah, mais je sais pas. Il faut me dire, j'ai son anniversaire. Oh, pardon, excuse-moi. Il n'y avait plus les badges, du coup. On... Ah oui, j'ai pas vu, c'est on vrai. On les a customisés. Oh, bon, merci beaucoup. Très bonne journée, ok? À tous. Là on vient de faire la Super Hero Station, vous avez pu voir qu'on a rencontré Spider-Man, il m'a fait un petit truc, c'est trop mignon, merci beaucoup pour le joyeux anniversaire. Et là du coup on va aller sur
le parc Walt Disney Studios. Du coup, là, je vais pas filmer, ça va faire partie d'un autre vlog qui sortira. En tout cas, merci beaucoup pour mon anniversaire. Tout le monde est trop gentil. Tout venir, cet hôtel, les gens sont incroyables. Et merci à tous ceux qui sont là, trop mignons. Ah, nous voilà, attendez, je sais pas si le focus est fait. Nous voilà devant l'hôtel Marvel de nuit. L'hôtel New York, il est vraiment magnifique avec ses petites LED rouges. Et là, juste là-bas, on peut voir le petit taxi que je vous avais filmé en début de vidéo. Et là, du coup, on est à la fin de la deuxième journée. Donc, vraiment une journée trop cool. Je vous passe quelques images de rush que j'ai tourné avec mon téléphone, avec ma caméra, tout ça. Des moments de magie qui resteront gravés à jamais dans mes mémoires. Je vous ferai aussi une review de tous les cadeaux que j'ai eus. Parce que vraiment, j'en ai eu tellement. Enfin, vraiment, merci papa, maman qui regarde sûrement la vidéo. Merci, c'est adorable. En plus, j'ai vu tellement d'entre vous, que ce soit des abonnés, des copains, tout ça. C'était un fort séjour. Donc, comme vous le savez, en tout cas, je sais pas si j'ai expliqué dans la vidéo. Mais en gros, c'est mon cadeau d'anniversaire, mais en avance. Parce que là, on est le jour où... Attendez, je vais vous dire ça tout de suite. Le jour où on tourne. On est le 23 avril et mon anniversaire c'est le 11 mai. Donc dans tous les cas, on en parlera bientôt sur la chaîne parce que déjà il y aura la review de tous mes cadeaux d'anniversaire déjà de 1. Et de 2, il y aura aussi l'anniversaire de la chaîne qui est lui le 12 mai. Donc on fera ça tranquillement en bonnet du forme. En tout cas voilà, c'était une superbe journée à l'hôtel Marvel. Donc on n'a pas pu aller à la piscine ce soir parce que j'ai eu la chance de pouvoir aller au Captain Jack restaurant. Donc incroyable. Et encore demain est rempli de surprises parce qu'on va faire l'Art Guardian, on va aller à la piscine, on va aller au basket. Ça va vraiment être trop cool. Ça va être une petite journée surtout centrée sur cet hôtel qui est juste là. Du coup, c'est parti. On se retrouve demain matin encore une fois pour aller au petit déjeuner. Donc c'est parti. On essaie de faire une transition. On essaie de s'en souvenir demain matin. Sinon, ce sera juste une vieille transition. Alors, troisième jour, c'est le matin. On vient de faire le Manhattan qui est juste derrière, je sais pas, le focus ne se fait pas. Yep. On le voit, c'est bon, on le voit. Du coup, on vient de sortir du Manhattan, c'était trop cool. Comme ça, j'aurais vraiment fait tous les restaurants qu'il y a à l'hôtel Marvel, que ce soit le lounge, le downtown ou le Manhattan. Ça, c'était vraiment cool. Après, bien évidemment, les petits déj ici sont toujours cool et copieux. Donc en vrai, ça régale. Alors, aujourd'hui, le programme, là, on vient de ranger tout ce qui est valise, tout ça, donc là on est paré pour un départ. Mais du coup aujourd'hui on va aller tranquillement sur le parc. Cet après-midi, comme je vous ai dit, on aura les Art Guardian ainsi que la piscine et le basket. On rend la chambre à 11h, donc là on pourra plus aller dans la chambre. Donc voilà, c'est le début de la fin, mon dieu. Mais non, trop cool. Et du coup cet après-midi, comme je vous ai dit, c'est un peu full Marvel. Matin, ça va être un peu Disneyland tout ça, et là on se rend sur le parc. De toute manière, je vous ferai plein d'images de tout ça. Et là, on va aller à, comment ça s'appelle, au parc 1, et ensuite on aura donc l'après-midi tranquille au Marvel, comme je vous ai dit. Et ce soir, on aura un dîner avec les personnages au niveau du Plaza Garden. Donc ça, ce sera soit une autre vidéo, soit sur cette vidéo. Donc on se tient au jus. On se retrouve en mode caméra embarquée. Ça va être plus simple pour les prochaines choses que l'on va aller faire. Alors juste pour revenir sur ce qu'on a déjà fait, on vient de faire l'Art Guardian. C'était vraiment super intéressant avec des œuvres vraiment magnifiques. J'ai appris plein de trucs qui sont vraiment... Bah, genre c'est super intéressant pour un fan de Marvel comme moi. Et il faut que je trouve trop cool. Là, je vais aller faire la petite salle de... Enfin la petite salle, pas du tout. On va passer devant la salle de muscu. On va surtout aller tester les paniers de basket, enfin tout ce qui est la Hero Zone Station. On va passer aussi devant la Marvel Design Studio. Et après, bien évidemment, on va aller à la piscine. Et je vais vous prendre des petites vidéos de la piscine. J'espère que vous allez apprécier. Et let's go! Après, je pense que ce sera la fin du vlog, je pense. Mais voilà! Donc vous pouvez voir, tac, la Marvel Design Studio juste derrière. Yep, trop cool.
Et là, direction la piscine de l'hôtel. Let's go. On se retrouve dans la métropole, la piscine juste là. Ça va être trop cool là, j'ai pas encore mis un seul pied dedans. Je vous fais une petite review après. Bon, en tout cas, c'est hyper facile d'accès, genre vraiment c'est simple. Là, je vous avouerai, je sais pas où est-ce que j'ai mis mon casier. Je vais peut-être aller le retester au cas où, juste pour déposer le téléphone. Bon, on se retrouve juste après. Je vais vous faire juste des 2-3 petits plans de la piscine. Puis après, ça va aller nager très fort. Donc, let's go. C'était vraiment trop cool. Déjà, bah, rien qu'avoir une piscine, c'est génial. Non, en plus, avoir une piscine dans un certain cadre, c'est quand même super cool. Alors, le petit Blaker Street, parce que je vous l'avais pas montré dans la vidéo. D'ailleurs, attendez, je vous ai pas montré. Mais derrière, il y a l'œil d'Agamotto qui est juste là-bas. Vous avez vu? Il est magnifique. D'ailleurs, normalement, je l'ai pris en vidéo pendant le truc des Arcs Guardian. Alors, vraiment, Arcs Guardian, par contre, j'ai dit rien du tout dessus. Et tout parce que bah, c'est une expérience, les secrets, de toute manière c'est à peu près les mêmes à chaque fois. Donc je ne dirai rien sur les Arcs Guardian pour laisser ce petit mystère. En tout cas non, vraiment la piscine c'était vraiment cool. Rien que l'expérience en elle-même, mais en plus le cadre est vraiment super joli. Donc voilà, je conseille la piscine de l'hôtel Marlowe. I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see. I ain't the one to fuck with. Mesdames, messieurs, c'était génial. Je vous passe quelques petits extraits du Plaza Garden. Ce sont des petites vidéos que j'ai tournées comme ça vite fait. À la base, je voulais tourner un vlog au Plaza Garden. Sauf que, bah, en fait, entre la fatigue, les personnages, tout ça, j'ai pas réussi à faire un truc hyper bien monté. Du coup, bah, je vous mets juste quelques petites images par-ci par-là. Elles serviront sûrement dans de prochaines vidéos. Je vous dis pas lesquelles parce que bah, je vous prépare quand même un truc pour l'anniversaire de la chaîne. Donc voilà, peut-être qu'il y aura des plans qui seront dedans, voilà. Mais en tout cas, voilà, c'était vraiment une chouette expérience, le Plaza Garden. Bah, je l'avais déjà fait, comme vous avez pu le voir dans certaines vidéos. Enfin, je ne l'ai jamais filmé, mais je l'ai déjà fait. Et c'était vraiment trop, trop cool. Et là, ça avait une saveur assez particulière. Et c'était vraiment génial. Donc voilà, vous avez eu quelques plans en tout cas de ce que l'on a vécu au Plaza Garden. C'était vraiment vraiment génial. En plus je ne l'avais pas fait avec les personnages. Et là je l'ai fait avec des personnages d'exception. Donc si jamais, on ne sait jamais, peut-être que Mickey et tous ses amis me regardent. On ne sait jamais. Coucou. On sait jamais. mais du coup voilà, c'était vraiment super super cool. Et du coup voilà. Bon. Bah, mesdames et messieurs, toute bonne chose a une fin. Et c'est la fin de mon séjour à Disneyland Paris.
à l'hôtel New York. Ah, c'est pas sans un petit pincement au cœur que, bien évidemment, je quitte ce lieu, qui est un lieu que j'aime beaucoup. Mais en tout cas, ça aurait été une super opportunité, un super séjour, c'était vraiment génial. Et comme on dit, toute bonne chose a une fin. Et donc là, c'est la fin de ce séjour, mais ce n'est peut-être que partie remise, et peut-être que j'aurai la chance de pouvoir le refaire, ou refaire un autre hôtel, dans tous les cas. Je vous mets quelques petits plans de l'hôtel de nuit, là, maintenant, qui est juste magnifique, au final. En tout cas, voilà, j'ai passé 3 jours de folie à Disneyland Paris, ne serait-ce que la surprise, après toutes les rencontres personnages qu'on a eu l'occasion de faire, tout ce qui nous était possible de faire au sein de cet hôtel Marvel. En tout cas, c'est des grands souvenirs. Des grands souvenirs que j'ai essayé de capturer avec ma caméra, mais pas que j'ai capturé aussi quand je n'avais pas ma caméra, avec mes yeux vus, comme on dit, du savoir des Art Guardians. D'ailleurs, un grand big up à Matteo, qui était notre Art Guardian, qui a juste tout déchiré. Et tout simplement, merci papa, maman, si vous êtes là. et je tiens aussi à remercier tous les copains, tous les abonnés, tout ça qu'on a vu tout au long du week-end. C'était un plaisir, c'était un bonheur, c'était un honneur. Et en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Bon, je vais faire le blabla traditionnel du youtubeur. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et bien évidemment à activer la cloche de notification si vous souhaitez manquer aucune minute et aucune vidéo et aucun moment de magie présente sur cette chaîne. Voilà, en tout cas, merci beaucoup pour votre fidélité, en tout cas à ceux qui sont toujours là. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine. Ciao.